Hey yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, comment ça va? Super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture. Malheureusement ce n'est pas du duel overload comme j'aurais aimé que ça le soit, puisqu'on est plus ou moins dans les dates de la sortie du duel overload au moment où on sortira cette vidéo. Ça sera tout simplement aujourd'hui 4 éditions SP IGAS, on espère le petit Lightning Storm à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'en ai deux et qu'il m'en manque un. Je me suis dit 4 éditions SP, ça se tente. Non. Concernant les duels overload, je vais sortir la vidéo très bientôt dès que je les aurai reçus. Big up à mon partenaire le coin des barons qui ont eu un souci de livraison. C'est vraiment le genre de coup dur en plus du coronavirus, etc. qui peut arriver et qui est vraiment pas cool. En parlant du coronavirus, prenez soin de vous, vraiment, restez chez vous. Les consignes peuvent paraître reloues. Effectivement, c'est relou de, eh bien, tout simplement ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir aller au DC, que tous les WCQ soient annulé ou repoussé, mais faut pas le prendre à la légère, prenez soin de vous, faites vraiment attention. Et concernant les duels, tournois, etc., je vous mets un lien dans la description d'un tournoi, le Legacy Tournament. Donc c'est une équipe très connue, la French Legacy, qui organise un tournoi. Je fais partie des guests qui sont invités, donc il y aura un top, enfin 16 joueurs confirmés, 8 randoms auxquels vous pouvez vous inscrire et participer pour vous qualifier, et 8 connus dont je fais partie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le lien de tout ça dans la description, il y a une vidéo qui est dédiée à ça. Donc allez checker. Moi ce que je vous dis, c'est que je me souhaite bonne chance. Encore une fois, vous savez que j'ai zéro chance sur les ouvertures. On verra bien ce que ça donne. J'espère qu'à l'intérieur de tout ça, on aura des trucs cool. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère qu'on passera un bon moment. Si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et moi je vous dis, c'est parti, on passe à la deuxième caméra. Ok, on a nos 4 petites éditions SP qui sont juste ici. Mais écoutez, on va commencer. Est-ce que j'ai pris des ciseaux moi? Non. C'est pas très malin de ma part ça. Est-ce qu'on ouvre les 4 d'abord? Oui, alors ce que je vous fais, c'est que je vous mets un accéléré, j'ouvre les 4 et on se retrouve juste après. Là, on a nos 4 éditions SP qui sont ouvertes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les packs promo, savoir ce qu'on a. Si j'ai des doubles, bah, je vous les fais gagner. Voilà, tout simplement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de... c'est tout simplement de les avoir en une fois. Donc le reste, ça me fait plaisir, je vous les fais gagner. Et roulement de tambour. Ah, bah, on a un petit peu de double. Et ben je fais gagner à l'un d'entre vous un set. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous fais gagner un set des deux pour participer, un like, un abonnement et puis un petit commentaire. Vous mettez ce que vous voulez. Bah tiens, dites-moi en commentaire, en prédiction, si vous pensez que je vais te faire tomber un Lightning Storm ou non. Ça sera la condition de participation. Voilà, je vous mets ça, je vous les mets de côté, je vous les fais gagner, c'est cadeau. Nous, on a nos boosters. Ils sont juste ici. Est-ce qu'on espère vraiment faire tomber ça? Oui. Est-ce qu'à chaque fois qu'on a espéré faire tomber quelque chose, on l'a pas eu? Oui. On verra bien. Alors, oh, une très bonne commune. Ok, de l'artisan sorcière. De Linnister, du Karakuri. Ça, c'est une... Je suis très content de faire tomber du Karakuri. Parce que, alors, je les ai déjà. C'est un fait. Mais c'est du très bon support pour le deck. Et le deck, pas de là à être méta, mais ça peut faire un très bon rogue. Donc, de Linnister. Et derrière, on a les guerriers anciens. Du Karakuri, double tranchant et du voleur du temps. Cancréla, rocher à Géradique, rituel. Et derrière, on a une super, qui est une belle carte d'ailleurs au passage. Le reste à son arsenal et des communes. C'est une belle carte. C'est pas déjà très similaire. On a eu pas mal de guerriers anciens du coup. On a eu... une édition SP en full guerrier ancien. C'est une carte monstre, donc ce ne sera pas la bonne carte. Et on a du désenchaîné. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour le coup, je suis assez content de faire tomber du désenchaîné. Du Karakuri, exécution de contrat et de... Alors, c'est quoi le nom exactement? La carte est vraiment dégueulasse, je trouve. Je la trouve pas belle, cette carte. Très bonne commune, attaque taille, recharge Géradique. Et derrière, oui, c'est pas mal, c'est une secret, franchement c'est pas mal. Ashishi, Inistar, c'est pas mal, je suis plutôt content de faire tomber ça. On aura fait tomber au moins une secret, ce qui est en soi plutôt une bonne nouvelle. Je sais pas comment c'est fait, est-ce que c'est une secret par édition SP? Je sais pas du tout comment ça marche comment c'est géré tout simplement. Donc derrière on a une super et une charmeuse. Takasha à 9 vies, de Linnister, gardien fantôme, garde fantôme et la carte moche. Alors, du cataclysmique, tombeur d'Aruma, du Cancréla, du rituel, du guerrier, et derrière, on a la voleuse du temps. Alors, je précise une petite chose que je ne savais pas, c'est que on ne peut pas avoir de prismatiques dans les éditions SP, puisque les prismatiques sont forcément en première édition, et les éditions SP ne le sont pas. Donc, voilà, petite info fun à vous donner, j'espère que vous ne le saviez pas, comme ça, je vous ai appris quelque chose. Sagade Guerrier, 3 visiteurs. J'aurais bien aimé que ça soit... C'était une carte magie, j'y ai cru un petit peu, je vous cache pas. Hein. Il nous reste 4 boosters. 4 boosters, pardon. Oh, regardez comment c'est déchiré. Chelou. Attaque taille. Et la fusion... la synchro, pardon, Inistar. Inistar. C'est bien ça. J'espère que c'est comme ça qu'on dit, parce que sinon je le dis mal depuis le début. Karakuri. On a vu derrière que c'était une synchro, c'est la Shogun. Fantoruse et Chahanev. On aura tombé une secret, c'est déjà pas mal, mine de rien. Hop. Il nous reste un seul booster, hein. Il nous reste un seul booster, donc du coup je vous crache pas que je n'y crois pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, je le savais, et on a tenté ma chance, quoi, tout simplement. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Moi, j'y crois, l'âme des cartes. Pas du tout. Ah putain, c'est une magie, en plus, j'y ai cru une fraction de seconde, quoi. Eh ben non, c'est perdu, j'ai bien tout ouvert, oui, c'est le cas. Donc bah, rappelez-vous, je vous fais gagner les petits boosters, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et puis bah, moi je suis bon pour racheter un orage, hein, clairement. Il va falloir que je rachète ça. La bonne nouvelle, c'est quoi là? On a fait tomber ça quand même en secret, ce qui est quand même pas trop mal. Ça aussi je crois que c'est pas mal du tout non plus. Bon, on a fait tomber une ultra aussi, c'est plutôt cool. Mais le reste, on va pas se le cacher, c'est pas foufou. Je vérifie si j'ai pas fait tomber d'autres choses. Si, deux ultras. Fait tomber deux ultras, une secret et une super qui est plutôt sympa. C'est cool. Voilà, c'était une petite vidéo ouverture sympa. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vous rappelle, je vous fais gagner ces boosters, ces deux packs éditions SP scellés. C'est pour vous. N'hésitez pas à participer, le like, le commentaire et l'abonnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je le rappelle, je suis peut-être un peu relou avec ça, mais prenez soin de vous avec le coronavirus. Je vous rappelle le petit concours, la Legacy Cup qui arrive très bientôt. Le lien dans la description. Moi, je vous sortirai sûrement plus de vidéos puisque je suis à la maison exactement comme vous. J'ai continué à avancer sur... bah tiens, je vous montre... petit teaser. Petit teaser. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vais peut-être vous montrer une seconde carte. Voilà, c'est tout. Je vous montrerai pas plus. Ça vous donne des idées de vidéos sur lesquelles je travaille. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Faites un duel et collection de cartes. Et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!